Salut à tous, c'est Fidrong, yo les Trashers. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pokémon Uranium. Il s'est passé assez peu de choses la dernière fois, mais en même temps, on a battu une des arènes les plus difficiles. Notre équipe est toujours composée de 3 Pokémon plantes et d'un Pokémon de type feu-sol, qui sort un peu de nulle part. Et le héros de la dernière fois, c'est quand même Falouz. Falouz, qu'as-tu à dire sur ce magnifique moment? La dernière fois, tu nous as quand même sauvés. Falouz, fais ta déclaration. Tu dis ça pour me faire plaisir. De toute façon, ma troisième tentative de suicide sera la bonne. Je pensais au train ou aux médicaments. Et voilà, donc en gros, maintenant, on peut aller là-dedans et on peut dire, voilà, fais plonger, mon ami. Voilà. J'ai oublié de parler du défi du jour. Je voulais me sauver quelques instants. Le défi du jour, c'est que je dois jouer sans lunettes. Or, j'ai une myopie à moins 3 et moins 4 selon l'œil. Donc, je suis un peu un gros bigleux, faut bien l'avouer. Et du coup, eh bien, je vais enlever mes lunettes. Et voilà, je ne sais officiellement plus ce qu'ils disent. Donc, je vais essayer de voir. Crash ! C'est le son des habitants du corail. J'ai bien lu ? Mon dieu, je vois rien. Je ne vois rien. Officiellement, je vois rien. Ça, c'est chiant. Oh mon dieu. Je sais pas où je vais. Oh mon dieu, ça va me défoncer la vue de faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Alors, je crois que c'est le pire. Je vois rien. Oh mon dieu, Braylip. Mais c'est quoi ces niveaux? Ils sont plus haut niveau que moi. Bon, heureusement. Heureusement quand même. J'ai Falouz, niveau 56. Les Pokémon sont de mon niveau. Hein. C'est quand même assez chiant, hein, mais bon. Je sais pas qui il envoie du coup. C'est complètement au hasard. Allez, c'est bon quand même. Type oh, il tient. Il vient de tenir l'attaque. Et il a à côté. Non, mais ne tue pas. Falouz. Oh, putain. Il va rater. Non, Falouz. Falouz pour la vie. Et je ne vois rien. Je ne sais pas où je suis. Oh mon dieu, je vais me perdre parce que je vois rien du tout. Corso Reef, c'est double faiblesse ce plante. Voilà. Voilà, easy. Puis j'ai la Shellbell qui me rend un peu de PV, c'est déjà ça. Je crois que c'est Falouz qui va nous sauver notre vie en fait. La musique est ralentie, c'est rigolo, ça c'est... Je sais pas où je vais, hein. Je vais tout en bas là. Attends, là je peux monter. Magnifique. Et ben voilà, je suis arrivé déjà. On va capturer un Pokémon ici, je le sens bien. J'annonce ici des Pokémon ultra puissants. J'annonce ici un Pokémon qui pourrait faire partie de mon équipe. Direct. Voilà, Swabone. Je vais essayer de le capturer. On va lancer des balls direct. Ah, j'ai pas beaucoup de balles. 1, 2, 3. Super. Swabone. Ah, celui-là, je l'annonce, il est bien. C'est un Pokémon Swab. C'est le Pokémon favori des pirates. On va l'appeler... YOLO Biscotto. YOLO Biscotte. Oh non, il s'appelle pas YOLO. Il s'appelle YOLO Biscotte. Merde, YOLO Biscotte. Ah, il est Ghostfire, c'est trop fort. Il est calme par contre. Oh zut, cette malchance. Ah, il a Destiny Bond. Bon, bref. Ah non, c'est bon. Tu es arrivé. C'est comme on nous avait dit. Tu es bienvenue à notre village. Quand tu es prêt, le maître t'attend dans le dojo. D'accord. Moi, j'ai des yeux de chinois, donc ça marche. C'est pas raciste si je le fais, parce que j'ai des yeux de chinois. C'est-à-dire, n'est pas tant vous sans chinois. On est métis. Je vous garantis qu'au dos d'aujourd'hui, c'est pas facile, la double culture. Qu'est-ce qu'il vend, lui?
Oh! Oh! Oh, moi, moi! Oh, le paradis du stratège! Oh, mon Dieu! Le bandeau choix, le mouchoir choix, le lunette choix... Putain, vas-y. A few moments later. Oh, mon Dieu. C'est un putain de... C'est déjà... White Tiles, Black Tiles 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, faut équilibrer, d'accord. Faut équilibrer, faut avoir le même nombre, d'accord. Ok. Un ninja. What? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? Les Pokémon sont de pire en pire. Attendez, je remets mes lunettes 3 secondes pour voir si j'ai bien... Ah oui, d'accord, c'est vraiment très laid comme Pokémon. Putain. Moi, je voulais une sorte de boule... Ok, d'accord, c'est pas super efficace. Double faiblesse. Et Charlotine, il doit être type vol. Il doit être type vol. Ok. C'est parti. Méga Charlotine est dans la place. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Allez, c'est la fin maintenant. Méga Échalotine. Mais pourquoi je dis Méga Échalotine? Je suis déconcentré. Méga John Michon, évidemment. Bah oui. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Allez, c'est parti. Drain Punch. C'est bon, il a pas d'attaque de type vol. Thunder Punch. Mais t'as même pas de points. T'as même pas de points. T'as des serres. T'as des serres, t'as même pas de points. Comment tu fais ça, mec? Explique-moi. Aïe, putain. Explique-moi comment tu fais ça. Comment tu peux faire point éclair avec ton bec? Pagé. Ah merde. Ah merde, merde, merde. Ah ouais, Les bails sont mauvais, là. Vas-y, on va laisser mourir YOLO Biscotte. Allez, YOLO Biscotte, tu peux le faire. Voilà. Merci YOLO Biscotte pour ton intervention. On se rappellera de toi. Hein. C'est peut-être la seule fois qu'on le verra, mais bon. Allez. Thunderbolt. Oh mon Dieu, il m'a outspeed. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Mec, mais... Ah non, il y avait l'orbe vie. Oh mon Dieu. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave. Regardez. Je donne le focus sage à mon Pokémon, là, à YOLO Biscotte. Et il a prélèvement du destin. Donc du coup, je pourrais tuer un Pokémon dangereux du maître d'arène en faisant prélèvement du destin et en spammant prélèvement du destin. Ah merde, non! J'ai pas sauvegardé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, si je perds... Je suis Prince Kaito du clan Nami et l'autre c'est du clan Tsuki. Nous sommes les leaders de ce gym. Mais on est femme et mari. Encore un combat double. Oh mon Dieu, mais je suis pas prêt. D'accord, oui. Bon, il nous raconte des... Alors attendez, bon, je vais remettre mes lunettes pour ça, je suis désolé, mais... Sinon je vais pas vous... Alors, il y a très longtemps, deux esprits ont formé, se sont rencontrés et se sont forgés un amour très fort qui a vaincu le chaos. C'était le début d'une nouvelle ère pour notre peuple. Nos dieux, une fois, les dieux ont mis des... ont porté des blasons sur leur lance de guerre. En gros, vous savez, les lances avec des drapeaux, là, les porte-drapeaux, voilà. Se sont unis en symbole de force et d'harmonie. Et les dieux, oui, d'accord. Les deux amoureux, les dieux leur ont donné leur bénédiction. On est devenus les mortels, les avatars mortels de nos dieux. D'accord. Et c'était il y a plusieurs centaines d'années. Et maintenant, on lead nos clans. On est les gardiens de ce temple. Allez. Alors, tu peux nous défaiter dans l'ordre. Mais, oh, d'accord, faut les battre les deux. Oh, mais j'y arriverai jamais. Bon, on va commencer avec la meuf. Honneur aux filles.
Honneur aux filles, mais je dois battre les deux. Je peux pas me... Hinata. Oh mon dieu. Et ils ont combien? Allez, ok, ça commence bien, c'est bon. Je... Hein? Hein? Est-ce qu'il vient sérieusement... Quoi? Est-ce que tu viens... Est-ce qu'il a sérieusement... un pyroli avec sécheresse? Mais c'est illégal! Mais c'est de la triche! Non mais attendez, je suis pas du tout d'accord, mais c'est pas possible! Ça n'existe pas ça dans stratégie Pokémon! Allez, John Michon est bien là! Coatlit, c'est quoi c'est Coatlit? C'est le dragon... Ouais, ok. Oh putain, alors Soul Sun, toi, tu... Y'a de la triche, y'a tellement de la triche, y'a tellement de la triche, y'a tellement de la triche, il a chlorophylle sous le sol. Abusé. C'est de la putain de triche. C'est de la putain de triche. Ça se fait pas, je suis jaloux là, allez. Lava plume, brûle, sous le sol là. Pas de brûle. C'est tellement injuste. Ah non, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Ah, il est plus rapide que moi. Tout ça pour rien. Je me sers sweep par un Coatlit. D'accord, j'ai officiellement plus rien. Eh bah, ok. Eh bah voilà, c'est ce que j'avais prédit. Alors, comment tu gères ça, IA? Comment tu gères ça? Alors, on va voir. Allez, tu fais quoi maintenant, connard? Ma technique marche, c'est trop bien, au moins j'ai ça, la 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 la, plus Coatlit, c'était un plaisir de te connaître. Bon, par contre, je suis dans la merde. Mais, c'était quand même kiffant. On a quand même kiffé ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, ça, pour me faire mal, à part rien? Allez, Chalotine, tu peux le faire. Une tente synthèse. Plénitude. Plénitude. Allez, s'il te plaît. Toute l'année, je tente des Thunderbolt, mec. Pas de crit. Oh, t'es tellement dead. Oh, je vais me setup à plus 1000. Vas-y, Fildrong. Fildrong qui peut vaincre les qui peut vaincre Pokémon Uranium. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait... Allez! Prochain tour, il meurt. Solar Beam va m'infliger 3 dégâts. Voilà. Allez! Norage! Ok. Ok. Tu n'as pas de type. Acide Armor? Oh non! Plus 6, mec. Ah, oh, ça fait mal, hein. Mon dieu. Oh, il a fait vent violent, il a raté. Fizzrong. Voilà. Avec ton méga Pokémon de merde, là. Wouh. Et d'un. Encore deux. Non. Non. Non, laisse-moi la potion, mec. Oh, je savais pas. Bon, ça va, il est Umbreon. On va refaire la même technique. Rien à foutre.
Aucun respect. Le mec, il me respecte pas, vous êtes d'accord? On est tous d'accord pour dire qu'il me respecte pas, le mec. Voilà, Dark Pulse. Il me booste mon attaque, au cas où j'aurais besoin, très bien. Vampigraine. Ah, merde. Vas-y, booste-moi mon attaque à plus 6, mec, y'a pas de soucis, ça me fait plaisir. Ça me fait kiffer. Tu sais quoi, ça me fait kiffer, mec. Bon, tu sais quoi, j'ai la flemme de faire Lich Shield, allez. Plus mon attaque, plus 3 en attaque spéciale, plus 3 en attaque spéciale. Vas-y, continue, vas-y, ça me fait plaisir, plus 3 en attaque. Et Chalotine, tu passes du Pokémon que j'ai testé le plus, Pokémon que je préfère de toute la vie. Allez. Et bah alors, Embryon, plus 4 en attaque. Oh non, il retire. Ok, c'est quoi ce truc? Il faut que je le tape. Luchabra, je vais faire Drain Punch. J'ai peur qu'il ait des attaques de type vol physique. Non, ça va, Mud Punch. Oh, ça fait mal quand même, hein. C'est pas super efficace. Mais quel est son type? Oh là là, par contre, je tank tellement bien toute la vie. Allez, Giga Drain. Merde, il est type poison. Comment voulez-vous que je sache? Oh merde, il avait Poison Jab. Non. Pourquoi il a choisi maintenant pour retirer son Pokémon, ce con? Non, Échalotine. Putain, je pouvais rien faire contre une attaque de type poison. Vilucard, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je peux le faire! Il a fait Poison Sting, le mec! Quoi? Putain, je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est que ça pourra pas le faire? Il a fait Max Potion! Putain! Putain, ça tue pas! Potion. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis trompé de cible, je crois. J'ai perdu un tour. Oh mais c'est pourquoi il te le laisse faire ça? Bon alors attends, attends. Réfléchissons. Revive. On va ressusciter un peu notre team. Allez, ça fait rien, hein, Lich Life, ça fait rien. Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Je peux tanker. Il a que des attaques de merde, je veux pas savoir pourquoi, mais... Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On soigne qu'est-ce que c'est que ça? Et pas John Michon, évidemment. Il a Drain Life, qui fait super mal sa race. On va laisser mourir Eslavlol. Ok, je peux tanker ça en plus, c'est génial. Oh, Eslavlol, t'es parfait, mec. Putain, c'est quoi ce combat complètement surépique de la ville? Putain, mais ils ont 8 Pokémon au total, quoi. Allez. John Michon. John Michon, s'il te plaît. S'il te plaît, John Michon. John Michon. Je vois pas combien de Pokémon il lui reste. Umbreon. Échalotine est dans la place. On peut re-soigner Échalotine. Il a plus son type poison de merde. Je pense que c'est l'heure. Je pense qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut qu'on y aille, les mecs. Le petit Drain Punch là. Arbok. J'ai qu'est-ce que c'est que ça pour mettre une grosse attaque sur Arbok? Ça doit être son dernier, il est niveau 60. Ok, Arbok il est lent. Arbok est un Pokémon très lent, les mecs. Arbok est un Pokémon très lent. Et PU. Non, putain, c'est méga Arbok. Mais qu'est-ce que je fais contre ça? Il a Petrify. C'est quoi ça? Oh, il baisse ma vitesse. Oh, mais ça proc après dans ta gueule. Oh, les...
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mec! Qu'est-ce que c'est que ça? Et méga John Michon qui va finir! Oh putain, attention à la max potion, mais si je peux tout shot avec séisme, c'est bon. Puis il est encore paralysé aussi. Sento Kaichi! Yes! J'ai les 8 badges d'arène! Du premier coup! Avec des Pokémon qui ont 10 niveaux de moins presque! Le badge zen. Ah ouais, je suis pas zen là, mec. Hein. Je suis moyen zen. J'ai oublié d'enlever mes lunettes, je m'en fous. Putain. Fouh. J'ai eu Solar Beam aussi. Mon dieu, je suis tellement hypé de la vie. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était un épisode de fou. N'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, Fildrong. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.